Salut les gars, Senzo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6, les gars. Bon, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une game à plus de 100 kills. Donc, franchement, les gars, c'est vraiment pas mal, je trouve, 100 kills. Voilà, c'était ma première game à plus de 100 kills. Hein. Parce qu'en fait, juste après, je crois, deux games après ou un truc comme ça, j'ai dû faire. Ah, je crois que j'ai fait 120 kills. Bon, j'avais fait plus de morts, mais là, vous allez voir, j'ai eu un bon ratio déjà. Le ratio était de 5.00. La classe, si vous la voulez, dites-moi en commentaire, je vous la donne dans une prochaine vidéo, ou pire, je ferai une. Ou peut-être dans des shorts, ou comme vous voulez. Je ferai une vidéo avec, ou je fais une petite game pour encore plus montrer comment elle est forte, parce que là, vous voyez bien qu'elle est forte. En fait, de base, je crois que j'avais pris une classe sur YouTube. Après, j'ai changé, parce que ça m'allait pas trop, du coup, j'ai fait un peu à ma manière. Là, vous voyez, j'ai le camouflage en diamant, donc passer d'une vidéo où j'avais un vieux camouflage. Un camouflage en diamant. En fait, parce que les autres clips ils dataient un peu, on va dire. Enfin, début de jeu à peu près. Là, la game date même pas de 2 jours, je crois. Même, je crois que c'était. Ouais, 2 jours, un truc comme ça. Ensuite, vous allez voir, il n'y a pas que la XM4 qui est forte, les gars. Il y a le pistolet que je joue. Oh là là là. Ce pistolet, c'est une masterclass. Les balles sont rapides. Des dégâts pour un pistolet, je trouve qu'ils sont pas mal. De loin, je trouve c'est correct pour un pistolet. Regardez, hein. Oh lolo, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, on pré-shot les gars, on pré-shot. Bon là, je me fais tuer. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai failli faire une game. J'ai failli faire une game où je faisais une nucléaire. Les gars, c'était en hardcore, hein, parce qu'en fait, vu que je devais faire mes tirs dans la tête, etc. Je vais en hardcore. Ah non, je crois que c'était triple élimination. Du coup, je devais aller en hardcore et 28 kills sans mourir. J'arrive. Je prends une grenade et une flash, j'ai pris la totale. Hein. Une grenade flash, bam, je suis mort. Mais les mecs, comment je l'ai géré, les gars. En plus, j'ai fait la moitié de ma game, je crois que je fais 20 kills, un truc comme ça au pistolet. Enfin, c'est les pistolets que je montais, c'est-à-dire moi j'étais là et tout, bam, bam, bam. Là, ouais, du coup, les gars, si je m'allonge, c'est parce que je crois que j'étais dans cette merde. Bon, que 5. Mais c'est parce que je me rappelle plus ce que je devais faire comme défi. Ah non, je devais pas faire de défi là, parce qu'en fait, j'ai augmenté un niveau pour débloquer les armes pour monter mes camouflages. Voilà, donc là on est dans le camp, tout se passe bien, lui on lui met une barre dans le crâne. Et vous allez voir à un moment les gars, j'étais à 21 kills, un truc comme ça sans mourir, je suis dégoûté, j'ai fait un peu n'importe. Non même pas, en fait j'avais bien joué, juste que l'ennemi, je sais pas, il a mieux tiré que moi, en plus il est mort juste après, parce qu'il y a un mec qui l'avait tiré dessus. Là dans la game on peut voir, je crois que je sais pas si j'étais avec ma copine ou si j'étais tout seul, ouais voilà, il y a ma copine. Donc la game s'est bien passée, comme je vous ai dit, la classe si vous la voulez, il n'y a pas de problème, moi je vous la donne, on partage tout ici. Aussi je peux vous donner les paramètres pour le son, pour entendre les pas, donc ça j'ai vu sur la vidéo de Skyrose. Ouais les gars, Skyrose en ce moment je regarde beaucoup Skyrose, j'ai vu dans sa vidéo, j'ai regardé, j'ai mis. Donc ouais, il y a une petite différence quand même pour le son et les pas. Donc si vous voulez aussi je vous la donne, ou au pire allez voir directement la vidéo de Skyrose, dites-moi aussi en commentaire. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir où je monte mon camouflage Dark Meteor. Je pense que je vais faire le premier truc sur Snipe. Comme ça, je vous montrer un peu mon niveau Snipe. Bon, peut-être, j'assure, je ferai une vieille game. Hein, parce que. Voilà, c'est une game. Je vais lancer. Ça soit je suis une bonne game, soit je suis une vieille game, soit vous verrez. vous aussi, allez voir sur TikTok. Je fais des petits TikTok. J'ai mis un 3-6. Je saute, le mec, ça tire à travers le mur. Mais il se prend un hitmarker. Du coup, comme vous savez, il est pas mort. J'étais dégoûté. J'ai mis un bête de 3-6. Donc les gars, si aussi vous voulez mes atouts, bref, tout ce que vous voulez, de toute façon j'ai fait la vidéo la dernière fois sur ma Sensi, surtout, donc voilà. En plus les gars, regardez, c'était pas facile parce que j'avais pas mes séries de points. Normalement j'ai le drone, deux drones de brouillage et le harf. Mais du coup j'avais pas vu que j'étais niveau 47 là les gars, comme je vous dis, maintenant je suis niveau 55 prestige 3. Je vais monter mon camouflage Dark Meteor et ensuite directement je passe de prestige et puis voilà. Hein. Comme ça en fait, chaque niveau où il y a des armes, je les monte en Dark Meteor. Et je pense que je vous ferai une vidéo où je monte le Dark Meteor. Hein. Là je suis en train de faire les couteaux. Non, le couteau et la batte. Oh les gars, le couteau franchement c'est relou, mais je m'attendais à pire. Mais c'est chaud quand même. Alors la batte de baseball, je sais pas, parce que hardcore. En fait, tu vas arriver derrière le mec, mais ça se trouve, genre, il va te mettre une balle, tu vas mourir juste en se retournant. Donc, c'est chaud parce que je dois faire triple élimination. Et c'est pour ça, en fait, je pense que je vais utiliser le truc où il y a l'animation là où t'appuies L2. Et puis, voilà, les gars, zombies, je montrerai pas le camouflage. Peut-être, alors, Warzone,
pense que ça prendra, je sais pas, peut-être 2 mois à faire, parce que c'est chaud quand même, il y a des armes qui sont vraiment nulles. Par exemple, monter les pistolets sur Warzone. Ça, c'est chaud les gars quand même, donc voilà. Les snipes, je sais pas. En tout cas, alors ressenti sur le camouflage, vu que j'ai bientôt le Dark Matter, le plus dur, même pas la batte et le couteau, parce que en fait, le début, j'ai fait sur Stakeout, mais sinon, en ce moment-là, si, c'est les deux. Le plus dur, pas fusil tactique, parce qu'en fait, les têtes... Avec fusil tactique, c'est une balle par une balle en hardcore. Bah, je mets une balle dans la tête, il meurt et c'est plus simple. Donc le plus relou, pas les snipes, en fait, je trouve que j'ai fait vraiment vite. Les gars, je pense que, je vais dire un truc, c'est mitrailleuse. Mitrailleuse, c'était pas si facile que ça, donc ouais, je vais dire mitrailleuse, vu que... Voilà, donc ouais, voilà, les gars, vous voyez que je suis à 16 éliminations. Bon, les gars, ressenti aussi... ressenti, j'ai essayé, j'ai fait une partie, parce que... En fait, moi, les gars, j'ai vraiment envie de faire ma nucléaire, j'en peux plus, à chaque fois, je passe si proche. J'ai pas envie de lâcher, en fait. Du coup, j'ai vraiment envie... Mais sinon, résurgence, franchement, j'ai fait une game, j'ai fait 3 ou 4 kills. Bon, après, j'ai arrêté direct, parce que j'ai monté mes niveaux d'armes et tout. Ah bah, voilà, je suis mort. 21 kills sans mourir. Et puis, les graphismes, ça va. Moi, je m'attendais à plus. Les gens, ils aiment trop critiquer, les gars, il y a trop négatif dans cette communauté, ça y est, les gars. Je trouve que c'est vraiment un bon call-off comparé à ce qu'on a eu avant. Donc, il faut arrêter de se plaindre des fois. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent. Moi, les mouvements, regardez, moi, je kiffe, hein. Aussi, je trouve que mon shoot s'est amélioré. J'étais content d'augmenter ma sensibilité en visée, donc celle que je vous ai mis la dernière fois. Avant, je jouais en 0.40. Oh, et là, quand je passe de ça, de 0.40 à ça, mais ça change toute ma vie. Et les gars, en vrai, moi, je trouve, hein, moi, je vous dis, pour moi, c'est un avantage d'avoir une haute sensibilité en visée. Parce qu'en fait, des fois, vous êtes tellement lent dans les mouvements, le temps d'aller sur lui à gauche. Ah, mais vous perdez trop de temps. Donc, j'avais décidé de m'entraîner un peu, parce que, les gars, c'est... Faut changer un moment, faut s'améliorer, et puis voilà. Bon les gars, je vous laisse sur la suite de la vidéo. J'espère que la suite de la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars, sur peut-être le camouflage. Allez, ciao.